Est dans un groupe composé de 4 entreprises qu'elle dirige. Tarasport, vous avez Mima. Mima c'est une entreprise qui s'occupe de conseils, de formation, d'un cabinet de conseils, de formation, d'études, qui accompagne les entreprises, la création des entreprises et les mises en place effectivement, et qui accompagne aussi les suivis. Ensuite, vous avez IDEV, qui est la microfinance de deuxième catégorie, qui est là vraiment pour accompagner les TPE et les PME. Je pense que la particularité, comme vous le savez, vous êtes sport, c'est que c'est une maison. Quand vous arrivez pour acheter un article, on ne récupère pas seulement votre argent. Ils sont là pour vous orienter par rapport au type de produit et par rapport à l'activité que vous allez pratiquer. L'élément majeur de la vie sportive de la ville, pour les raisons que nous savons tous, dont nous nous faisons l'aide. Que cette discipline revient sur le devant de la scène. Et nous sommes particulièrement heureux de voir que nos partenaires historiques sont toujours avec nous, comme on l'a dit à l'entame de cette conférence. La ville est toujours présente, la ville, avec la ville, nous sommes désormais le partenaire technique en ce qui concerne l'aspect sportif. Nous avons été partenaires historiques et qui nous suit également sur tous nos événements City Sport, l'événement. Et c'est le cas pour le marathon international. Et voilà, après, il faut se rappeler que le marathon revient après une année où nous n'avons pas eu l'opportunité d'organiser suite à la pandémie. Malgré cette année où il n'y a pas eu le marathon, l'année dans laquelle on se trouve reste quand même aussi une année particulière. Mais la sport, la société responsable, a pris des dispositions pour que les choses se passent bien. Notamment, nous avons le découvert tout au long du point de presse par le dispositif sanitaire que nous sommes en train de mettre sur pied grâce au partenariat avec la communauté. Personne ne prie, je ne rien C'était aussi pour nous une manière de reconnaître le travail que vous effectuez chaque fois depuis la première édition pour la couverture. Le terrain pour courir pour cette quatrième édition du marathon international de Douala, parce que j'ai cru en tant que le vainqueur de la dernière édition, notamment Justin Fouami, ne sera pas de la partie. Est-ce qu'il sera véritablement là ou alors c'est juste une rumeur? Et aussi, quels sont les pays qui sont invités à courir durant cette quatrième édition du marathon international de Douala? Merci. Écoutez, nous continuons à être l'un des sponsors de cet événement. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que Tarasport va de plus en plus dans l'innovation. Tarasport s'intéresse à des disciplines qui sont un tout petit peu oubliées. Et nous également, nous aimerons apporter notre appui technique en termes d'équipement, en termes d'articles. C'est pour ça que nous estimons que nous devons continuer le sponsoring que nous avons entamé depuis 5 ans. Aujourd'hui, on parle de la qualité du matériel et de l'appui de City Sport. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Les couleurs des maillots, des t-shirts? Disons qu'au niveau des maillots, c'est la même texture qui sera toujours là, une texture qui permet à l'athlète de sécher rapidement pendant qu'il court. Et la texture est légère. Et également, ces maillots seront commercialisés dans les jours prochains parce que nous comptons ouvrir un nouveau magasin à cet effet. Et cette marque sera là
et elle permettra aux Camerounais moyens. Nous essayons de rentrer au niveau de toutes les couches sociales de la population camerounaise. Ce sera des maillons accessibles à tous les Camerounais. Donc ils pourront les avoir après l'événement dans notre nouveau magasin qui sera à Bonartizo. Nous sommes entièrement satisfaits. Pourquoi ? Pour la simple raison que les maillots que j'ai vus lors de la première édition, je continue à les voir dans les différents parcours. Parcours Vita, je vois les gens qui continuent à utiliser ces mêmes maillots. Je dis bien de la première édition. Donc ça veut dire que la qualité est là. D'accord ? Ça veut dire que quel est l'avantage des maillots que nous mettons à la disposition. Ils ont compris que c'est de la qualité, ils ont compris que c'est technique et ils les utilisent en permanence. Moi, je les vois partout, ces maillots. Merci. Ok, enfin, 3, 2, 1, 0. Bonjour, je suis M. King, directeur adjoint de la culture, tourisme, affaires sociales, éducation et sport. Alors, dans le cadre du marathon, on a ça de voilà. La communauté urbaine de Douala, à travers son maire, à travers le maire de la ville de Douala, une fois de plus accompagne Terrasport dans l'organisation de la 4e édition du marathon international de Douala. Dans ce sens, donc, la ville a tenu à apporter un appui logistique à Terrasport, mais également un appui institutionnel et administratif. Alors, il y a également d'autres appuis, je ne vous connais pas ici forcément, mais. Nous soutenons Terrasport et n'est-ce pas, nous aidons à ce que cette jeune entreprise qui œuvre beaucoup pour le sport dans la ville de Douala continue, n'est-ce pas, de créer cette animation que nous voulons et pour laquelle nous voulons faire de la ville de Douala une ville de sport, c'est-à-dire une ville carrefour pour tous les sportifs, peu importe les disciplines. Parlez-nous un peu de cet organe au sein de la communauté urbaine de Douala qui est chargé de la réfection des routes sur lesquelles on aura le tracé du marathon international. Il s'agit de la direction en charge de l'entretien et de la construction des infrastructures, abrégée DECI. Donc c'est elle qui s'occupe, n'est-ce pas, de ces aspects logistiques, disons pour ce qui est des routes, l'entretien des routes, également comme je l'ai dit, des constructions. Donc c'est eux, n'est-ce pas, qui accompagneront Terrasport au niveau du balisage des circuits, une fois qu'il est arrêté. Malgré cela, avec le maire de la ville, M. Massa Diné, on a souhaité que le marathon se tienne et surtout associe toutes les communautés. Et l'un des gestes dans ce sens-là, c'est de dire, dans le cadre du marathon international de Douala, tous ceux qui se seront inscrits pourront se faire tester gratuitement. Donc c'est offert grâce au partenariat avec la mairie de la ville et les autres partenaires que vous avez pu voir. Et deuxième chose qui nous tenait aussi particulièrement à cœur à Terrasport, c'est ce geste que nous faisons toujours dans le cadre de l'inclusion pour pouvoir permettre aux handicapés de participer à la fête. Donc cette année, il y a une discipline que nous avons baptisée le dernier kilomètre, où ce seront des handicapés en fauteuil qui parcourront aussi, qui compétiront, j'ai envie de dire, qui compétiront de manière à ce que finalement le marathon de Douala soit l'affaire de tout le monde. Ça, c'est les deux innovations majeures que je voudrais retenir pour ce marathon, et sachant aussi que c'est un marathon qui se déroulera désormais sur 2 jours. Voilà. Le samedi, nous avons la marche familiale et le semi-marathon qui partiront, et le dimanche, nous aurons le marathon et le marchathon.